Et t'es sûr que c'est là? Oui, au 67 rue Mozambique. Non, mais la maison, elle est chelou, non? Bah non, tu sais, il y a des producteurs qui sont modestes. Non, parce que je peux pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vient de la part d'Eddy. Eddy Clébard. Eddy Clébard. Attendez. C'est bon. Je prends le sucre. Vous avez pris le sucre. Ça va, ça va. Franchement, j'en ai marre.
comprends, moi aussi. Tu vois, moi ça fait 10 ans, là ça fait à peine 6 mois qu'on bosse avec lui. À la fin, on a fait la foire au boudin sous la tente, avec la pluie et tout, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, monsieur, c'est rien à voir avec vous, hein, c'est. Mais là, non, c'est trop. Non, moi, je vais faire un tour. Ouais. À la limite, je vais voir où il est, quoi. Ouais, bah, je vais voir où il a fait ça. Voilà, je vais voir où il est, parce que c'est là, ça me éteint. Dans le café? Non, ça va. C'est moi qui le fais. Avec quoi? Goutte. Je vais en faire des nouvelles. Merci. Eddie, il connaît rien en musique. C'est pas trop. Ça fait plaisir. Bon, Eddie, il fait quoi là? Je voulais un petit peu de tabac. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Ah, enfin, si c'est vous qui l'avez fait. Il y a quelqu'un? Oh, voilà, purée, Eddie, on t'a entendu, purée. J'ai du mal à trouver là, sur le chemin là, c'est pas facile du tout. Bah, viens, c'est tout. Je suis arrivé là au 67, avenue Mozambique. Je suis très content. Monsieur, vraiment, voilà, j'avais parlé de ce gars-là. C'est bizarre que vous n'ayez pas rencontré Nicolas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tu me l'avais fait consommer, hein, avec l'autre affaire qui n'est pas là. Bah, vas-y. Une fois, on a joué pour. C'était. Ça, ou Téblin, ou quelque chose comme ça. Dans Lorraine, à Diblin. À Diblin. Eh ben, ils étaient trois. Ils sont restés droits comme des i, les gars, quoi. Ils étaient au taquet, ils jouaient pas, il n'y avait que des chaises. Vous voulez pas commencer à préparer le piano? Ouais, ça serait bien, ça. C'est pas mal. Que tu montres un peu les capacités. Commencez, il faut souffler un peu avant que ça commence. On va écouter. C'est des gars comme ça. C'est des gars comme ça, mais moi, s'il y a de la thune, je veux manger, moi aussi, je veux en toucher, je veux palper du fric. Mais t'auras mais pas. Si c'est pour me faire des plans de merde comme d'habitude, là je te dis non. Là j'ai fermé ma gueule, j'ai compris ton petit manège. Tu le sais, je le sais. Ah ben revenez. Ah oui. Vous avez chauffé un peu le piano? Alors t'as entendu ça? Vous avez entendu? Non, c'est pas mal. On va y aller de plus près, voir ça de plus près ensemble, hein. Ouais, bah dès que Nico arrive, on vous joue un petit morceau. Pas de problème. Ouais, bah, Nico, il ferait mieux d'arriver avant que je change d'avis, hein. Mais, putain, il a un problème de transport. Mais ouais. Il est parti comment? Je comprends plus rien. Parce qu'il est parti, moi je l'ai croisé, enfin j'ai cru que c'était lui. Bah, écoute, là, moi je vais voir ce qu'il fait, parce que là, c'est comment ça va faire. Là, il me dit, je suis au numéro 27. Il est au 27. Ah bah non, c'est pas moi. Ah, tu sais, heureusement que t'es pas venu la semaine dernière en me demandant tes producteurs, tu vas gagner de l'argent. Ça c'est le mot-clé. Oui, mais ça je te l'ai répété, je te l'ai dit. Combien de fois tu m'as ruiné? Combien de fois? Si je reviens après tout ce temps, c'est parce que j'ai quelque chose à la main. J'ai un truc dans la main. Ouais, c'est une cuillère. Je vais voir s'il faut. Des branquignoles, je te dis. 3 heures que j'attends. Ah, ben voilà, quand même, entrez. J'ai trouvé Nico. On n'a pas que ça à foutre. On n'attend pas Eddie, hein, on continue, on fait direct. Marcher en pleine lumière, elle
Pas mal. Il manque la batterie, mais c'est pas mal. Comment il manque la batterie? Non, j'ai fait le beatbox, la bouche. Oui. Ben écoutez, moi j'ai un plan à vous proposer. Festival. Ah. D'anciens combattants au Pen Mirabeau. Vous n'avez pas autre chose à nous proposer? Oui. Le deal, c'était pas le deal. On devait venir vous voir pour avoir des... Oui. Voir avec Nico, parce que... Là... Non, mais attendez, on va s'arranger tous les deux. Le cachet. Ah, le cachet, alors j'ai pensé au Jatring. Le Catherine. Oui, voilà. Non, le cachet, je... Voilà. Moi, je... Voilà. Non, je le sens. Non, mais vraiment. Nico, franchement. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Le petit jeune, là, il sait pas ce que c'est que le business, hein. Non, on voit qu'il est artiste. On va jouer pour des vieux qui entendent même pas. Les anciens combattants. Non, ils sont très sensibles. À texte, on a bien compris. Je vous ai pas dit combien ils seront. Ils sont 50 personnes. T'entends ça? Dans la salle des fêtes. T'entends blagues. Ça? Non, ça va pas du tout. Oui, Nico. Je sais pas. Il est là. Bon, je vais dire des trucs. Oui, allez lui parler. Non, écoutez, c'est impossible. C'est Eddy. On va faire des cafés. On va faire un café. Hé, mon Nico. À quoi tu joues, là? J'essaie de faire ce que je peux, mon bonhomme. J'essaie de trouver des contrats, des dates. Tu nous ennuies, Eddy. Franchement, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. On est fatigué, moi je suis fatigué de faire ça. Tu vois, t'es bien, tu essaies de nous amener des contrats, tout ça, mais on a joué à la pétanque la dernière fois. On devait jouer de la musique, moi je suis un artiste, j'écris des chansons. Tu crois que je fais des choses comme ça pour m'amuser, moi? J'ai démarré petit, j'ai grimpé les échelons comme ça, jusqu'à arriver à avoir un peu de semence, un peu de quelque chose à donner à des artistes. Et toi, voilà, il y a un gars, un producteur qui nous donne une occasion de travailler, et toi, tu pètes tout, quoi. Je pète tout, Eddy. Je pète tout. Franchement, aide-moi ça, quoi. T'es un loser, mon bonhomme. Pauvre gars. Un loser? Tu me dis que moi je suis un loser? Putain. Ça me dégoûte. T'es pas correct. T'as pas le prisme. Quel prisme? Tu sais, ça veut dire prisme? Tu sais même pas ce que ça veut dire prisme? Et tu dis prisme? Ah! T'es qui complètement. Alors, on fait quoi? On arrête tout? On part? Vous avez plus de boulot, de travail? Putain. Ah, je vais les voir. Hein. Bon, c'est bon, j'ai réglé le... Il a réglé le problème. Ah, ouais, tu vas chercher? Ouais, je vais lui dire. Va le chercher. Mais c'est pas grave pour lui. Va le chercher. Ah bah tiens, Nico. Oui. Pour moi c'est clair, je trace. Mais non, Cédric, hein? Non mais tu sais, c'est pas... On peut gagner 25 euros peut-être. Ah ben regarde-moi ça, n'importe quoi. Finalement, on est d'accord. Ah ben, ok, on est d'accord. Pour cette fois. Ah ben, je suis
je suis content. Vraiment, je sens qu'on reprend du prisme entre nous là. Et il va y avoir vraiment ça va swinguer, ça va être du bingo. C'est bon? C'est cool. Sans rancune? Allez. Oh, tiens le bambou. Allez, ah. Allez, je vous suis, on y va. Ben, salut Samy. Salut Samy. Au revoir, monsieur. Tu es fatigué, fatiguant, mon poteau. Les larmes, ça sèche. Attendez-moi. Les larmes, ça sèche, puis s'en vont. Plein qui regarde, il y a de drôles de charmes. Regarde.